Yop tout le monde, donc aujourd'hui, mais comme vous le voyez, on se retrouve enfin pour les résultats tant attendus du jeu concours 25 000 abonnés. Comme d'habitude, vous avez été extrêmement nombreux à participer, donc plus de 2500 cette fois-ci. Donc forcément, vous en doutez, bah, tout le monde ne va pas pouvoir gagner. Il y avait 4 lots, on a essayé de faire notre maximum. On essaye à chaque fois de faire notre maximum bah, pour qu'il y ait le plus possible de gagnants, mais on ne peut pas faire 2500 lots parce que ça serait compliqué à envoyer, même compliqué, je pense, à demander. Je ne suis pas sûr que les marques ou nos partenaires seraient d'accord. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous aura fait plaisir. Avant d'annoncer les résultats du concours, pour ceux qui vont voir leur nom s'afficher, donc ça va s'afficher en gros au milieu de l'écran, la façon en fait de me contacter, c'est par message privé sur YouTube uniquement. Je n'accepterai que ça, tout simplement à cause des petits fraudeurs qu'il y a à chaque concours qui s'amusent à essayer de se créer des comptes à l'identique. Enfin, les mecs en gros n'ont que ça à foutre de leur vie. Enfin, bon, voilà. Enfin, je vais rien dire là-dessus parce que de toute manière, je pense que vous connaissez mon avis sur le sujet. Donc pour me contacter par message privé, parce qu'il y en a pas mal qui ne savent pas comment on fait, c'est simple, quand vous êtes sur la chaîne, vous avez le petit onglet à propos, vous cliquez sur à propos et dessus vous aurez envoyé un message. Par message, vous m'enverrez donc vos coordonnées, enfin nom, prénom, votre adresse pour que je puisse vous envoyer le lot. Je vais pas vous faire poireauter 30 ans, on va directement passer donc au gagnant, il y en avait 4. On va commencer par le lot numéro 1. Donc il s'agit de Biker 51210, c'est sûrement ton code postal, donc bravo à toi, donc c'est pour le lot numéro 1. Si vous voulez savoir les lots que vous avez gagnés, bah, il vous suffit d'aller revoir la vidéo du jeu concours pour voir quel lot correspond à quoi. Ensuite, le lot numéro 2, donc c'est La Pêche pour tous. On dirait que c'est un petit jeune apparemment, donc bravo à toi aussi. Le lot numéro 3, donc c'est Tibbs 46. Donc bravo à toi aussi. Et le lot numéro 4, c'est Seb Chou. Donc voilà, bravo à vous tous. J'espère que ça vous fera plaisir. N'oubliez pas de m'envoyer vos coordonnées par message privé sur YouTube. Sinon, bah forcément, le lot ne risque pas d'arriver chez vous. Pour tous les autres, bah comme d'habitude, vous pourrez retenter votre chance sûrement lors d'un concours 30 000. Pour les 30 000, on fera comme pour les 20 000. On essaiera vraiment de faire un gros truc. Là, je m'y étais un petit peu pris tard. Pour les 30 000, je vous promets qu'on va vraiment essayer de faire un truc sympathique. Je peux pas vous dire quoi encore parce que bah, il faut que je voie avec les partenaires. Mais on va vraiment essayer de mettre le paquet, de faire vraiment un gros concours. Enfin voilà, comme d'hab, on essaiera vraiment de faire notre possible. Histoire de vous parler un petit peu, de ne pas faire une vidéo juste pour ça. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne nous suivent pas sur Facebook. D'ailleurs, je vous mets le lien de notre page Facebook dans la description, juste en dessous de la vidéo. Bah, je vais peut-être vous tenir un petit peu au courant de la pêche en ce moment, bah, dans le Puy-de-Dôme, hein, donc dans mon nouveau chez moi. Donc ceux qui ont suivi sur Facebook, vous l'avez vu, je me démerde plutôt bien. Donc c'est simple, en fait, à chaque fois que je fais une session, en ce moment, je fais une vidéo. Donc j'ai déjà 4 ou 5 vidéos sur la rivière l'Allier. Donc dans le Puy-de-Dôme, c'est une grosse rivière qui passe un peu partout dans le département. Et clairement, bah, ça va, je m'éclate plutôt bien. Du chevesne, de la perche. Déjà fait 2 belles perches de 40, entre 40 et 45. Chevesne, j'ai fait 40, 45 et 50, plus pas mal de petits poissons. En plus, j'ai fait les 3 quarts des fiches au petit popper, au petit stick bait, donc des attaques en surface. Enfin, voilà, juste énorme. Bah, voilà, moi, c'est le genre de pêche où je m'amuse énormément en ce moment, vu que c'est l'été, qu'il fait chaud. Voilà, faut, je pense, s'adapter aux conditions et faire des pêches estivales, donc le matin ou le soir, avec des petits leurres de surface. On s'amuse bien, moi personnellement, je m'amuse bien, je pense que ça vous fera des jolies vidéos. Je pense que je vais mettre la première vendredi, c'est pas sûr, je vais voir. Ma toute première session ici, je pense que je vais mettre, où j'ai fait que du chevesne, si je dis pas de bêtises. C'était ma première session, je crois que c'était, je sais plus, bah, c'était il y a 3 semaines, je pense, à peu près. Donc on verra ça d'ici vendredi. La semaine prochaine, mercredi prochain, je vous ferai la mini FAQ du mois d'août. Je sais même plus quel mois on est. Donc il y aura la mini FAQ du mois d'août. Et puis bah, ensuite, au niveau des programmes de vidéos, on n'en a pas vraiment. Donc je ne peux pas vous dire vraiment ce qui arrive. Moi, à chaque fois, on fait un peu ça au feeling, en gros. À ce qu'on a envie de sortir. Il n'y a pas vraiment de programme précis parce que j'aime pas spécialement prévoir les choses. Mais voilà, pour vous tenir au courant, en tout cas, pour l'instant, niveau pêche, ça va très bien. Le dead aussi, le dead se régale extrêmement bien sur les loups, bars. Ça dépend où vous c'est que vous habitez. Donc on va dire sur les bars. Il fait pas mal de bars en ce moment, il en fait quasiment à chaque fois qu'il sort, un, deux ou trois. Donc bah, lui c'est pareil, voilà, c'est une pêche estivale, c'est en ce moment voilà, que c'est le plus agréable pour pêcher en étang. Donc il va se remettre au brochet, enfin tout ce qui est brochet, perche, logiquement début septembre. Donc je lui fais confiance pour aller nous faire des beaux poissons en Ariège, ou peut-être au Salagou, ou peut-être ailleurs. Ça sera à lui de voir ça, mais logiquement voilà, il va sûrement se prévoir des bonnes petites sessions pour septembre. Donc là-dessus, je pense vous avoir tout dit. Comme d'habitude, si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu. Et on se retrouve prochainement pour d'autres petites vidéos. Ciao tout le monde!